Le thème autour des RSE avec sa dimension sociale sur laquelle on aimerait aller plus loin et avancer, c'est celui du bien-être et de la qualité de vie au travail. C'est tout un panel d'actions très variées, histoire de toucher le plus grand nombre de salariés du site, qui vont de séances d'ostéopathie à de l'exercice, la pratique sportive avec un coach, à des conférences sommeil, des conférences sur le stress, des conférences sur la nutrition, le tabagisme, un service de restauration sur place à 3 euros pour amener le plus grand nombre au restaurant avec une restauration, un repas bio proposé. Voilà, c'est tout un panel finalement de services complémentaire au reste, hein, complémentaire à ce que l'entreprise a engagé autour de l'amélioration des conditions de travail, sur l'ergonomie, les postes, etc. Histoire finalement de travailler, ce qu'on en recherche, ce qu'on en attend. C'est la fidélisation, c'est travailler sur l'attractivité de l'entreprise par rapport au monde du travail qui devient finalement difficile, qui est un vrai enjeu. C'est travailler sur indirectement également lutter contre l'absentéisme, même si ce n'est pas un niveau élevé chez Conda. Rechercher ces éléments-là d'amélioration.